Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie de vous retrouver tous aujourd'hui d'un peu partout dans le monde. Bienvenue dans ce Culture Tech, je suis Marie-Charlotte Baoudour et je travaille avec Guillaume Fabien Niréré qui est en ce moment en coulisses, donc auprès du chat et des questions et du sondage pour répondre à vos questions et m'accompagner, nous accompagner pendant ce webinaire. Donc, ce webinaire a pour titre Culture Tech dans les classes de FLE à distance. On a trouvé important de vous proposer ce webinaire en ce moment dans nos différents contextes de confinement et d'éloignement de nos lieux et de bascule en ligne d'une partie de nos activités. Ce webinaire va durer à peu près 30 minutes et avant que je commence, il y a quelques questions techniques que nous devons évoquer. La première, c'est que si vous ne connaissez pas encore ce petit bouton de la cloche tout en haut à droite de l'écran où vous me voyez, ça permet de désactiver le son des notifications, notamment du chat qui arrive. Vous avez une partie de chat dans laquelle vous êtes nombreux déjà à écrire. N'hésitez pas à partager vos questions, vos remarques tout au long de ce webinaire. La partie questions à droite est dédiée à des questions plus précises auxquelles nous pouvons répondre et auxquelles nous répondrons en fin de ce webinaire, en deuxième partie de ce webinaire. Et il y a une partie sondage aussi à laquelle on serait très heureux que vous répondiez avec quelques petites questions qui nous aideront à répondre davantage à vos questions et à vos besoins. Il y a par ailleurs quelques soucis techniques sur la plateforme Livestorm sur laquelle on est en ce moment. Si vous rencontrez quelques soucis, et Guillaume pourra vous aiguiller à ce sujet-là dans le chat, mais il y a quelques questions, enfin des soucis de son notamment, liés à certains navigateurs. Je crois que le navigateur Firefox rencontre quelques problèmes sur cette plateforme. Enfin, je laisserai Guillaume vous aider à ce niveau-là. Alors, ce webinaire je vais prendre la parole pendant à peu près 30 minutes. Ce sera la première partie de ce webinaire et ensuite, l'autre partie sera consacrée à vos questions. C'est un webinaire qui, normalement, devait vous présenter et c'est tout l'objectif de ces moments-là et de ces lieux d'échange qu'on partage avec vous. Devait proposer des interventions, en fait, d'enseignants ou de médiathécaires qui travaillent à proposer Culture Tech en classe de FLE à distance. Dans l'urgence, on n'a pas suffisamment d'intervenants actuellement pour participer à ce webinaire d'aujourd'hui, qui est donc la première édition de webinaire consacré à l'utilisation de Culture Tech en classe de FLE. On a maintenu ce webinaire d'aujourd'hui, qui sera un peu plus court qu'habituellement, puisque ça constitue une occasion assez intéressante de vous proposer un premier tour en fait des ressources qui sont disponibles sur la plateforme, comment on peut les utiliser et surtout quelles fonctionnalités elles proposent et comment toutes ces fonctionnalités sont particulièrement utiles à distance. Voilà. Donc je vais vous lancer tout de suite. On entre dans le vif du sujet, ce média, voilà. Ma petite présentation en quelques lignes. On va fonctionner en entonnoir aujourd'hui, donc on va directement passer dans la plateforme après la présentation du déroulé. Culture Tech, c'est tout un ensemble de ressources qui sont surtout adressées. En fait, Culture Tech est une plateforme de ressources culturelles numériques, francophones, actuelles et contemporaines, qui sont essentiellement adressées aux apprenants. Notre public principal n'est pas le public enseignant. Néanmoins, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la grande partie des ressources, par leur nature et par leur fonctionnalité, leur mode de consultation, sont tout à fait utilisables en classe. Donc, je le disais, on va fonctionner en entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir des ressources brutes authentiques et actuelles. Donc, la plus grande partie des ressources et des documents qui sont disponibles sur Culture Tech, pour ensuite aller vers celles qui sont particulièrement adaptées à l'apprentissage du FLE. Je prendrai le temps très rapidement de vous proposer, de vous décrire un programme culturel particulier qui est adapté à une situation de classe, donc qui fait croiser le culturel avec le linguistique dans un cadre d'apprentissage et d'enseignement. Et puis aussi un exemple
de ressources numériques intégrées sur Culture Tech qui a été conçu par des classes d'apprenants, donc en classe. Voilà. Alors, c'est parti. Je voudrais commencer par les ressources brutes. Et ce qu'on entend par ressources brutes, ça me permet de faire tout de suite aussi une transition vers IFProf, un petit écart vers IFProf, une partie en fait des bonnes pratiques et des modalités en fait d'exploitation de ces ressources sont proposées sur IFProf, à la fois dans notre espace Culture Tech et par les enseignants ou les différents partenaires qui relaient leurs astuces ou leurs pistes en fait d'exploitation de ces ressources sur l'espace IFProf. Donc par ressources brutes, on entend tout ce qui est ce qu'on propose en fait habituellement. Il y a plus de 200 000 ressources en fait sur Culture Tech. Ça va de la presse, comme vous le voyez, c'est-à-dire que quand on est sur Culture Tech, on peut accéder à la presse et je vous emmènerai ensuite sur chacune des ressources pour voir comment ça se passe concrètement et comment on peut partager ces ressources-là, à la fois sur des supports de communication, enfin des médias de communication comme les réseaux sociaux et dans le cadre de vidéoconférences, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, il y a de la presse de la presse, de la musique avec Gaël Faye, comme on le voit ici, la littérature et aussi, par exemple, les albums filmés. En fait, l'intérêt de ces ressources, c'est qu'elles permettent d'approfondir ou de faire connaissance avec une culture par la langue et aussi de progresser dans son apprentissage de la langue. On va tout de suite aller dans Culture Tech pour vous montrer, mais l'intérêt, c'est que sur Culture Tech, on a classé, nous, l'ensemble de ces... Et je vais tout de suite... Attendez, je continue là-dessus et on verra après. L'intérêt de ces ressources, c'est de... Elles sont classées par ce qu'on peut faire avec, lire, regarder, écouter, apprendre, et par les publics aussi, puisqu'il y a un espace dédié à la jeunesse. Elles sont aussi les ressources sont aussi organisées en fonction de l'actualité culturelle francophone française et en fonction aussi des nouveautés des collections qui arrivent sur la plateforme. Ce que je voudrais vous proposer ensuite, c'est de voir directement les ressources pour les apprenants et leurs différentes activités. Avec tout, notamment toute l'offre des éditeurs FLE et chacune des fonctionnalités, notamment les pistes audio et les activités qui sont proposées pour chaque ressource. Je vous présenterai ensuite, et en plus je chante en français, qui est une action qui vise à apprendre le français avec la musique, avec les chansons. Et ce sera la fin de ma présentation après. Donc on va aller directement sur Culture Tech pour découvrir... est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà. Donc, Culture Tech, je retourne sur la page d'accueil. Je vous parlais tout à l'heure du classement lire, écouter, regarder, apprendre et jeunesse. Donc, toutes ces ressources-là sont mises en page par nous à Paris et par certains pays, certains collègues dans chaque pays où Culture Tech est disponible. L'idée, c'est de proposer à chaque fois des sélections qui donnent à voir un peu la profondeur et la diversité du catalogue. Chaque document est cliquable et vous permet d'accéder à la ressource qui est en ligne, alors qui ne se trouve pas sur Culture Tech, mais qui se trouve sur le site internet de nos fournisseurs, ce qui veut dire que la grosse majorité des ressources Culture Tech se consultent en streaming. Comme on peut le voir, par exemple, si je vais là, je vous ai déjà ouvert en fait une notice d'un journal, ce qui vous permet, une fois que vous voulez lire votre journal, là, ça y est, on sort de Culture Tech et on passe sur le site, donc e-press, où se trouve le titre de presse, vous permet de partager les liens avec vos publics. Une autre manière de partager, c'est, alors là, la fenêtre peut se mettre également en plein écran,
vous pouvez zoomer dans la page. Donc ça, dans le cadre d'une classe en présentiel, si tout est projeté sur un écran, c'est assez pratique, mais également dans le cadre d'un partage, comme exactement comme ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une manière de travailler ensemble sur une ressource commune. Une autre fonctionnalité qui est assez intéressante pour les enseignants et pour les élèves aussi, c'est de pouvoir sélectionner un article en particulier qui se met du coup en affichage texte, toujours avec des liens accessibles qui permettent de naviguer dans le titre de presse. Et quand on clique sur ces trois petits points à droite de l'écran, Guillaume me dit de me mettre en plein écran, je me mets en plein écran, vous avez accès à un ensemble de fonctionnalités. Vous pouvez rechercher dans l'article, enfin dans le titre de presse. Donc là, si je tape Macron, par exemple, me sera proposé en fait les quatre pages où ces occurrences sont disponibles et sont surlignées. Je resélectionne cet article, je peux l'imprimer. Alors, je choisis ensuite la zone que je veux imprimer, soit la page active, soit des pages que je veux sélectionner, ou toutes les pages. Vous pouvez copier-coller aussi un article. Donc là, il suffit de sélectionner la zone de texte que vous voulez. Donc, quand on est en mode article, vous pouvez tout à fait copier-coller une partie de cet article. Donc ça, c'est assez pratique pour partager en fait les ressources avec vos étudiants. On dépasse en fait la simple consultation de la ressource, mais on passe en ligne, enfin on passe en exploitation plutôt plus pratique de la ligne. Pour revenir sur Culture Tech, il faut revenir sur l'onglet précédent où vous retrouvez donc votre titre de presse, votre notice. Un autre type de ressource, c'est la musique. Donc, je vais aller sur écouter, par exemple, où se trouve l'ensemble de nos ressources musicales. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionne aussi le partage des ressources sur Culture Tech, là, je suis sur une ressource en particulier. On voit que l'URL que vous pourriez, par exemple, partager, elle est assez courte, elle est lisible. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de cliquer ici. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre le mouvement de ma souris, mais je suis juste au-dessus du lien vers la ressource. Il y a un lien permanent qui ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, vous retrouvez un lien généralement beaucoup plus court et beaucoup plus lisible que vous pouvez copier-coller dans vos réseaux sociaux ou que vous pouvez communiquer à vos élèves. À partir du moment où ils seront connectés à Culture Tech, ils auront accès à cette ressource-là. Donc, la même chose pour accéder en fait à cette... Là, vous avez tous les titres qui sont disponibles dans cet album. Pour accéder à cet album, il faut cliquer sur « Découvrir ». Nous arrivons sur le site où la ressource est consultable. Et si vous cliquez sur l'album, normalement, le son se lance. Voilà. Donc, on verra ça, ça servira quand je... Ça vous sera utile quand je vous expliquerai, et en plus, je chante en français, comme ça, vous aurez une idée de comment se passe la musique sur Culture Tech. Et une autre ressource que je voulais vous montrer, c'était également les albums filmés que nous avons mis notamment dans Jeunesse. Alors, il se trouve que, comme les ressources sont... multi-public, multi-usage, il se peut que vous retrouviez en fait des sélections dans plusieurs pages. Donc voici les albums filmés. Alors c'est un ensemble en fait une partie des collections de l'école des loisirs qui s'appelle les albums filmés. Ce sont des albums de leur collection phare pastel qui ont été mis en musique et lu par un comédien. Là, ici, tout se passe sur Culture Tech. Donc, vous avez la vidéo qui est incluse dans la notice. Et donc là, la lecture se lance automatiquement. Vous pouvez régler le son, la mettre en plein écran ou pas. Peut-être pas une connexion Internet
assez forte. Donc là, c'est une ressource, je coupais le son, c'est une ressource qui peut être vue en famille, par les enfants tout seuls, par des apprenants aussi tout seuls. L'intérêt, c'est de pouvoir, par exemple, désactiver la bande-son et de raconter une autre histoire. Donc, c'est travailler à la fois sur la production, la compréhension aussi d'une narration et la mise en langue de cette narration. C'est pareil, c'est une ressource qui peut tout à fait être partagée à distance quand on travaille, quand on bascule en fait une partie de ses activités de cours en ligne. Voilà. Donc voilà, je ne vous présente évidemment pas toutes les ressources, mais si, une dernière, un dernier type de ressources aussi qui est tout à fait adapté en classe pour travailler sur pareil, c'est un peu ce qui peut être fait avec les albums filmés, ce sont les albums, les histoires sans texte. Donc là, on est dans les albums de jeunesse. Et l'histoire, donc là, on arrive sur le site aussi de notre fournisseur d'albums jeunesse. Il y a à peu près 1300 albums jeunesse sur Culture Tech, vous avez de quoi faire. Donc la lecture se déclenche, elle peut être mise en plein écran également. Et donc là, comme vous le voyez, l'intérêt de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de texte. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer une multitude d'activités en fait sur le raconter la suite de l'histoire, faire partager à l'oral ou à l'écrit même, soit les bulles en fait qui racontent l'histoire, faire parler les personnages, inventer une autre histoire à partir de ces exemples-là. Voilà donc ce que je pouvais vous présenter sur des ressources qui sont typiquement culturelles, mais qui trouvent leur place dans des situations d'apprentissage ou d'enseignement. L'autre partie des ressources, là, on va se centrer davantage sur tout ce qui concerne vraiment des ressources qui ont été fléchées et qui ont été accompagnées de tout un appareil didactique, donc qui peuvent être soit directement appréhendées par les apprenants ou utilisées aussi en situation en classe. On a regroupé une partie de ces ressources sous l'onglet « Apprendre », donc dans une page qui est dédiée. Cette page, comme toutes les pages Culture Tech, elle propose donc des sélections, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, il s'est agi pour nous de vous présenter à peu près toutes les ressources que l'on a dans la matière, en fait. Des ressources qui sont directement dédiées à l'apprentissage et à l'enseignement du français. Et on a également proposé un découpage de ces ressources à deux autres endroits différents, donc deux onglets qui séparent ces ressources par niveau de langue. Et donc là, par exemple, niveau A1, A2, vous retrouverez toutes les ressources qui sont dédiées à ces niveaux-là. Donc là, l'intérêt ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui assez rapidement, c'est quelles fonctionnalités en fait proposent ces ressources-là. Il n'y a pas juste une consultation, mais donc, les différents types de ressources. On a les modules d'auto-formation. Je clique donc là sur une notice en particulier, vous avez le sommaire de ce qui sera proposé. Donc ces modules d'auto-formation sont des modules d'auto-formation en français par niveau, par intérêt, s'il s'agit de travailler plutôt le vocabulaire ou la grammaire ou le français des affaires, le français professionnel ou la préparation aux différentes certifications. Donc là, vous arrivez sur le site Tout Apprendre où aura lieu la ressource, la leçon.
Je vais essayer d'en sélectionner une autre. Alors, un peu de grammaire A1, A2. Alors, je pense que j'ai un souci de connexion à Internet. Bon. En tout cas, tout s'effectue en ligne. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir aujourd'hui, mais tout s'effectue en ligne avec un parcours, différentes leçons en fait qui sont proposées et le corrigé des exercices à la fin. Donc, ces modules-là peuvent être faits par les apprenants tout seuls ou bien en groupe aussi, collectivement. Puisqu'il suffit de bénéficier d'une connexion à Internet. Donc, soit une seule personne remplit répond aux questions pour tout un groupe avec le corrigé à la fin. Ça peut être l'occasion d'un concours en groupe ou la base aussi de groupes de discussion. Il y a aussi, on propose à peu près une centaine de titres d'éditeurs FLE. Vous retrouverez Hachette FLE, Clé Internationale, Didier Édition, avec toutes les fictions contemporaines. Samir Éditeur, qu'on retrouve ici, qui est un éditeur libanais de FLE, avec une collection là qui est dédiée aux tout petits apprenants. Et une collection plutôt de classiques. Donc, à chaque fois, ces ressources-là proposent une piste audio et des activités. Donc, je vais cliquer par exemple sur Zadig. On va pouvoir consulter ensemble. Je vais essayer d'aller beaucoup plus rapidement, mais vous aurez l'idée parce que c'est à peu près l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées par... Alors là, je suis en plein écran. Je ne vais pas choisir ça. Je vais plutôt choisir celui-ci. Je lis le livre. Là, le livre s'ouvre et la piste audio se trouve à cet endroit-là. Donc, elle se lance. Voilà, donc vous voyez le principe. Et à la fin de chaque chapitre ou bien de chaque... vous avez des activités avec les solutions qui sont proposées. Donc là, le menu à gauche vous propose un peu... Voilà. Donc c'est pareil. C'est le fonctionnement à peu près de toutes les autres ressources de la sélection Apprendre. Est-ce que j'oublie de vous parler d'une ressource en particulier? Ici, vous avez les abécédaires. Alors là, ce sont des albums jeunesse, mais comme... il propose en fait une approche très débutante en fait sur l'apprentissage de la langue. On les a intégrés dans cette partie-là de Culture Tech, dans cette section Apprendre. Et vous avez aussi les BD bilingues de Dadoclem qui également propose une piste audio pour travailler sur deux différentes langues. Voilà. Alors j'accélère un petit peu. Ça me permet de vous parler de, et en plus je chante en français. Alors, ce qu'on a souhaité faire, c'était proposer de croiser en fait une pratique culturelle, une création culturelle, ici la musique, avec l'apprentissage du français. Pardon. Avec l'apprentissage du français. Donc, ça fait l'objet d'un partenariat avec le CAVILAM, l'Alliance française de Vichy, qui propose pour chaque chanson, et l'intérêt, en fait, et en plus, je chante en français, c'est que chaque chanson se trouve sur Culture Tech, et également disponible dans une application sur laquelle on va pouvoir aller, mais chaque chanson est donc classée par niveau,
et est accompagné d'une fiche pédagogique pour l'apprenant, d'une fiche pédagogique pour l'enseignant et de tout un ensemble d'informations biographiques sur l'artiste. Donc, tout se trouve ici. Là, on arrive directement sur la page dans l'application Diversities, donc, qui recense toutes les fiches. Ces fiches sont téléchargeables et vous les retrouvez donc là sur Culture Tech où vous pouvez les télécharger à cet endroit-là. Donc vous pouvez, et ce seront des PDF là qui va mettre un peu de temps pour se charger, mais ce sont des PDF avec les corrigés aussi également qui sont proposés à la fin. Donc il y a à peu près une vingtaine de fiches pédagogiques et de chansons qui ont été mises en ligne depuis le début et qui sont régulièrement mises en ligne. Voilà. Donc voilà l'exemple de fiches pédagogiques. Non, c'est pas malin que je le mette en grand écran, en plein écran. C'est dommage parce que ça s'était chargé. Et voilà, si vous cliquez ici, la fiche pédagogique se télécharge. Et voilà comment elle se présente. Je zoome un petit peu plus. Donc, les titres, les paroles de la chanson, la biographie, quelques éléments de lexique et de vocabulaire. Je vais trop vite. La fiche pédagogique pour l'enseignant. Donc autour d'un thème et un ensemble d'activités qui sont proposées. Et la dernière fiche pédagogique pour l'apprenant avec quelques exercices de compréhension, d'expression, ensemble ou à plusieurs, et les corriger pour l'apprenant. Voilà, donc ça, ce sont des activités que vous pouvez tout à fait vous approprier telles quelles. Ou partir en fait de ce qui est proposé pour vous monter vos propres activités à partir de musique, par exemple, ou de chansons. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est également avec Culture Tech, il est possible d'intégrer en fait vos propres ressources. Et là, je voudrais vous montrer. Ça. Un livre numérique qui a été fait en Roumanie en classe avec un artiste. Et donc ce livre numérique a été l'occasion de. Je vais essayer de le mettre en plein écran, mais j'ai bien peur que ça ne fonctionne pas. J'essaye. Non. Donc là, l'idée, c'est de donner à voir, de valoriser en fait ce qui est fait en numérique par des apprenants de français, donc en Roumanie, et Lénaïque Constanti, qui était l'auteur et une illustratrice. Donc les apprenants de français racontent cette histoire et la mettent en image également. Donc, tout ça a été fait sur du papier et ensuite numérisé et mis sur Culture Tech et devient ensuite un support à la fois culturel et pédagogique pour les apprenants. Voilà ce que je peux vous proposer assez rapidement aujourd'hui. J'ai l'impression de... Je vais revenir sur l'écran. Donc ça a été assez rapide. J'arrête le partage. Me voici. Voilà, donc assez rapidement, ce qui, vraiment par des focus sur quelques ressources qui peut être possible sur Culture Tech, en classe de FLE et voilà, et partageable. Alors, je suis disponible maintenant pour vos quelques questions. Pour la deuxième partie de ce webinaire. Alors, j'ai plein de questions, Guillaume me dit, pour la fin. Je vais aller voir directement dans les questions.
Alors, Maude, les exercices de compréhension des livres en français facile sont intéressants pour nos apprenants, mais ils ne sont pas réalisables en ligne. Cocher, relier, pourriez-vous suggérer aux éditeurs de proposer une version Internet de ces exercices? Oui, effectivement. C'est vrai que sur un format vraiment web, il faudrait un format vraiment web pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Camille Delaune, existe-t-il des fiches pédagogiques FLE, comme pour la musique, sur la littérature? En prenant un livre comme exemple. Non. Sur Culture Tech, pas à ma connaissance pour l'instant. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on a relayé ou que l'on a mis en place pour l'instant. Est-ce que l'apprenant a accès à la fiche enseignant quand on parle d'une chanson? Sinon, ils peuvent tricher. Oui, alors c'est soit oui, effectivement, ils peuvent. Sauf si oui, effectivement, ils peuvent. C'est le risque d'une diffusion large des ressources numériques sur le numérique. Mais l'idée, c'est peut-être de leur transmettre de toute façon avant et voilà. Mais oui, effectivement, ils peuvent. Mohamed, je ne sais pas si les ressources sont classifiées selon les niveaux A1, A2 et ainsi de suite. Si normalement, on est en fonction de ce que les éditeurs indiquent eux comme niveau, on tague les ressources sur Culture Tech et on les intègre ensuite dans des sélections. Donc on essaye, c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus et qui sera également développé dans la nouvelle version de Culture Tech qui sera à venir, puisque ce sont des fonctionnalités auxquelles on veut donner davantage, enfin beaucoup plus de place, pour que chaque apprenant, quand il se connecte sur Culture Tech, puisse se construire un parcours en fonction de son niveau linguistique, s'il le souhaite, et du coup accéder à des ressources qui soient adaptées à son niveau ou à ses envies de progression. Y a-t-il des livres ou BD bilingues en espagnol? Oui. Camille pose la question. Toutes les, il faut aller voir pour ça les ressources d'Adoclem, de l'éditeur d'Adoclem. Et il y a des BD en espagnol. Amélie. Une question d'Amélie. Les alliances françaises des Émirats arabes unis ont accès à Culture Tech. Comment faire pour que des écoles et ou universités y aient accès également? L'abonnement est-il nécessairement payant? Alors, c'est tout à fait possible de proposer des accès à des établissements scolaires locaux qui ne sont pas membres des alliances françaises et des instituts français par le biais de conventions que vous signez avec eux. Il faut se mettre en relation avec nous pour ça, parce qu'on vous transmet les documents, en fait, les conventions, les différents modèles de conventions, et on vous indique un peu comment mettre en place ce type de partenariat-là. L'idée, c'est d'avoir une personne dans l'établissement scolaire qui soit le référent Culture Tech, qui puisse vraiment s'emparer de la plateforme et s'engager à assurer la médiation de cette plateforme, puisque ce qu'on voit avec Culture Tech, c'est qu'à partir du moment où des personnes, enfin des médiateurs, en fait, se consacrent véritablement à la médiation de cette plateforme, c'est là que les ressources trouvent leur public et que la plateforme trouve est véritablement utilisée et au mieux de tous ses potentiels. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver une personne ressource sur place, enfin dans l'établissement. Et au niveau du tarif, on n'a rien a priori contre une gratuité. L'idée, c'est quand même de valoriser pour les alliances françaises et les instituts français cette plateforme Culture Tech qui a un coût qui est pour l'instant entièrement pris en charge par l'Institut français de Paris. Voilà, l'idée, c'est de trouver dans la mesure du possible. Une idée de politique tarifaire qui pourrait être appliquée à ces types de partenariats en particulier. Alors, une autre question. Est-ce qu'on peut faire accès libre à Culture Tech sans envoyer des mails au directeur des alliances françaises? Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que la réponse que j'ai fournie précédemment peut-être répond à cette question? Normalement, alors,
tout accès donné à Culture Tech doit passer par vous, les Alliances françaises, ou par le réseau culturel français, ou par l'Institut français. Un accès gratuit ne se fait que par le biais d'un partenariat et d'une convention. Dans la rubrique apprendre, y a-t-il des ressources téléchargeables au moins temporairement pour les consulter hors connexion ? Alors, pas à proprement parler. Je dirais que 98% des ressources sont consultables en streaming, c'est-à-dire en ligne, exactement comme YouTube. Une partie de nos collections sont téléchargeables, comme les fiches pédagogiques, par exemple, que je vous ai montrées pour « Et en plus, je chante en français ». Là où la ressource est également téléchargeable, c'est pour la littérature. Le fonctionnement est assez particulier parce que le mode de consultation de ces ressources est calqué sur celui du prêt en bibliothèque. Ça veut dire que ce que vous allez obtenir, c'est le droit de consulter la ressource pendant un certain temps. Donc, c'est comme si vous louiez, c'est comme s'il s'agissait un peu d'une location de la ressource pendant un certain temps. Donc, un fichier est effectivement téléchargé sur votre ordinateur, sur votre terminal de lecture. Il faut auparavant s'être équipé d'un logiciel de lecture des livres numériques qui est compatible avec les verrous. Donc, c'est assez technique, pardon, d'expliquer tout ça en détail. Mais voilà, donc là, pour le coup, un fichier est téléchargé. C'est un fichier qui est chronodégradable. Donc, au bout de 30 jours, il se supprime de vos appareils. Mais sinon, pour l'ensemble des ressources, tout est consultable en ligne et non téléchargeable. Mais alors, une autre question de Tétiana. Bonjour Tétiana. Mes apprenants ont généralement une connexion instable ou de mauvaise qualité et ils préfèrent carrément Skype à Zoom. La plupart du temps, on travaille en asynchrone. Cette année, leur niveau ne dépasse pas A2, donc j'ai une marge de manœuvre très limitée pour le choix d'articles et autres ressources. C'est effectivement une question. La connexion et la qualité de la connexion dont vous bénéficiez pour pouvoir consulter ces ressources en streaming qui parfois sont assez lourdes. Quels sont nos droits pour légalement pour partager des ressources? Alors, ça dépend de quelles ressources vous parlez. Si vous parlez des ressources de Culture Tech, vous pouvez tout à fait partager des liens, puisque, en fait, nous, c'est exactement ce que l'on fait, hein. On partage des liens d'accès vers les ressources. Donc, vous pouvez partager des liens d'accès à nos notices. Si vous parlez de vos ressources à vous, parce que vous pouvez très bien aussi intégrer, si vous avez les droits administrateurs sur Culture Tech, intégrer vos propres ressources. Des vidéos, des livres, comme on l'a vu, ou de la musique, des fichiers audio, ou des podcasts, des conférences, par exemple. Là, c'est vous qui gérez cette partie-là des droits. La question des droits se pose également dans le cadre, par exemple, des lectures d'albums en live. Là, ce qui est recommandé, ce que nous vous invitons à faire, c'est de contacter directement les éditeurs pour, d'une part, les informer, que vous comptez lire ou présenter une ressource numérique particulière de leur catalogue qui est diffusée sur Culture Tech à vos publics. A priori, il n'y a aucun souci hein, pour eux. L'idée, c'est est d'autant plus accepté que ce live n'a pas vocation à être pérennisé et à rester longtemps en ligne. Ou alors, vous avez carrément l'autorisation, vous avez négocié cette autorisation avec les éditeurs. J'espère que je réponds bien à votre question, Stéphie. Sylvie. Ok, et Maud. Alors, nous avons commencé un atelier Culture Tech en ligne avec Zoom, mais d'après les apprenants, leur connexion Internet n'est pas assez bonne pour ouvrir Culture Tech et Zoom en même temps. Êtes-vous confronté aux mêmes difficultés? Oui, vous l'avez vu pendant ce webinaire. Effectivement, l'idée, c'est peut-être, dans ce cas-là, de travailler en asynchrone, comme le disait Tétiana, c'est-à-dire d'envoyer les liens vers les ressources avant. Une autre astuce que nous avons aussi, et ça a fonctionné sur ce que j'ai fait moi, c'est de, juste avant en fait, votre cours, mais vraiment juste avant,
d'ouvrir, d'accéder à la ressource, c'est-à-dire de quelque part de charger la ressource. Comme ça, quand vous vous y connectez, elle est déjà là, elle est déjà disponible, au moins pour vous. Et c'est peut-être, voilà, donc au moins ça peut pallier l'accès de tous les apprenants vraiment en simultané à la ressource, mais ça peut être une solution. Mais oui, c'est une difficulté. Là, vous avez vu que quand j'étais dans une exploration en live de Culture Tech, en essayant de basculer en plein écran ou en essayant de lancer un PDF ou une vidéo, ça peut devenir assez compliqué, effectivement. Est-ce qu'il me reste des questions? Oui. Diffusez-vous une question de Cécile. Diffusez-vous une lettre d'information pour informer les médiateurs de l'ajout de nouvelles ressources, à part la presse, bien entendu. Je recommande des ressources Culture Tech dans notre newsletter mensuelle et ce serait bien de pouvoir mettre l'accent sur de nouvelles ressources. Oui, dans la mesure du possible, à chaque fois qu'une nouvelle ressource arrive sur Culture Tech, on le mentionne dans notre blog des administrateurs. Peut-être que Guillaume pourra vous diffuser le lien vers ce blog. Il est ouvert pour l'instant au blog des administrateurs et nous faisons aussi partir une newsletter qui part plutôt 3 à 4 fois par an et qui est à destination aussi, une destination un peu plus large que celle de nos administrateurs. Ceci étant dit, les nouveautés en matière de ressources sur Culture Tech ne sont pas si nombreuses que ça. Le catalogue est assez stable. Là où les nouveautés arrivent, c'est sur la littérature et ça fait l'objet de sélections qui sont communiquées. En règle générale, par exemple, au moment des rentrées littéraires, on communique sur l'arrivée au catalogue des quelques dizaines de titres qu'on ajoute. Là, bientôt, la collection de BD va être mise à jour également. Il y a des nouveaux titres qui vont arriver. Donc là, on communiquera à ce sujet-là. Les podcasts sont de France Culture aussi. On avait communiqué à ce sujet-là. Et je crois que c'est à peu près les dernières nouveautés que l'on a en matière de ressources sur Culture Tech. Et le reste, tout ce qui est musique, par exemple, les dernières sorties d'albums, c'est un travail que l'on effectue, nous, en interne, avec nos petites mains. On essaye de tenir Culture Tech à jour sur l'arrivée des derniers albums, les parutions des derniers albums. Donc, c'est vraiment au compte-gouttes et on essaye d'avoir pour cet encart-là, cette sélection-là, le même fonctionnement que pour le kiosque du jour. Non, pas sur un rythme quotidien, mais à chaque fois que des nouveaux albums paraissent, on essaye de les prévenir. Mais oui, dans la mesure du possible, pour répondre à votre question et pour conclure, oui, on essaye d'intégrer ces ressources-là. Et si vous êtes intéressé, signalez-vous et on vous intégrera, si ce n'est pas déjà fait, à notre liste de diffusion qui part 3-4 fois par an. Alors, Sylvie, avez-vous des ressources sur Culture Tech pour les niveaux avancés B2 à C2? Alors, c'est une bonne question. Oui, on les a moins mises en avant parce que Culture Tech est déjà une plateforme qui s'adresse à des francophones d'un niveau assez élevé. Pour comprendre, pour naviguer, pour identifier un peu, enfin, il faut avoir quand même un niveau de français. Voilà, c'est pas une plateforme très adaptée à des niveaux plus débutants. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, nous, de mettre l'accent sur ces niveaux A2 à B1. En revanche, normalement, toutes les ressources que je vous ai montrées qui sont clairement identifiées FLE, ces ressources-là sont taguées normalement par niveau aussi et vous devriez pouvoir trouver dans les tags, par exemple, le tag C1, niveau C1. Ou C2, ou plutôt C1. C2, je ne pense pas qu'on soit allé jusqu'à ce niveau de précision. Disposez-vous d'un tutoriel pour les aspects techniques du téléchargement des livres à destination des apprenants. Si vous parlez du livre du prêt numérique en bibliothèque, oui, on a des guides utilisateurs qui sont disponibles.
donc là qui sont directement destinés aux apprenants également. Et puis on va développer nous une vidéo assez prochainement sous forme de tutoriel pour visualiser un peu, rendre un peu visible ces étapes. La première fois qu'on effectue le téléchargement du logiciel et la création de compte, c'est assez chronophage et ça demande de passer par tout un ensemble de procédures. Mais une fois que c'est fait. Donc oui, il y a des tutoriels qu'on peut vous envoyer qui seront en format PDF et que vous pourrez adapter vous à vos propres apprenants et des tutoriels qui seront à venir et qu'on produira nous de notre côté. Youssef, pourquoi... Ah, Guillaume a déjà répondu. Pourquoi des adaptations littéraires ? Si, il y en a quelques-unes. Alors ça, ben, j'en profite pour compléter la réponse de Guillaume, c'est-à-dire que Guillaume demandait à quelle adaptation Youssef pensait. Il y a des adaptations BD, notamment. L'idée, c'est si vous pensez, vous, à des ressources, et si ces ressources sont disponibles dans les catalogues de nos fournisseurs de contenu, on les met sur Culture Tech volontiers. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à ce sujet-là. Peut-être une dernière question, parce qu'on va bientôt clore. Une question de Sladana. Bonjour, pour utiliser Culture Tech, on a besoin d'inviter les élèves. Oui, alors ça dépend dans quelle structure vous enseignez. L'idée, c'est, dans le fonctionnement de Culture Tech, effectivement, de proposer des comptes nominatifs pour chaque apprenant. Donc, oui, vous pouvez être en fait, vous, la personne qui accompagne les élèves dans la création de leur compte. Si vous êtes en institut français ou en alliance française, et si vous ne l'êtes pas, eh bien, je vous invite à vous rapprocher soit de nous ou soit de l'alliance française ou de l'institut français qui est le plus proche pour monter une convention et un partenariat dans ce sens-là. Et il faut être hors de France, comme le dit Guillaume, effectivement, puisque Culture Tech n'est accessible que pour les publics à l'étranger. Elle n'est pas accessible en France. Oui, encore des questions. Avez-vous un partenariat ? Une autre question de Sylvie. Avez-vous un partenariat avec TV5Monde ? Utilisez-vous leurs ressources par des hyperliens, par exemple ? Alors, TV5Monde est surtout partenaire d'IFProf, qui est l'autre plateforme de l'Institut français, qui est un réseau social des professionnels de l'éducation du français. Et qui propose tout un ensemble de ressources effectivement disponibles sur IFProf et qui sont accessibles via des hyperliens comme vous le mentionnez. Donc je vous invite à vous connecter évidemment sur IFProf. Et là, c'est une plateforme qui est ouverte à tout enseignant, à tout professionnel de l'éducation du français dans le monde. Maud, les exercices... Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas répondu déjà. Les exercices de compréhension des livres en français faciles. Style, oui, j'ai répondu. Est-ce que j'ai répondu à tout ? Y a-t-il des films arabes sous-titrés en français pour les malentendants ? Non. Non, alors je ne sais pas où vous vous trouvez, mais selon les plateformes, je sais qu'en Algérie, Culture Tech Algérie propose des ressources locales et donc des vidéos, plutôt, je crois que c'est plutôt pas des films mais plutôt des conférences. Et tout ce qui concerne les ressources pour les malentendants, non, on n'a pas non plus développé cette offre-là. Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses. On peut prendre une dernière Égypte. Ah, ouais. Dernière question peut-être.
Anaïs revient sur la question des droits. Je reviens sur la question des droits. Ah, Guillaume a répondu, pardon. Voilà. Donc, je pense qu'on va, on va clôturer. Alors, en conclusion, je voudrais lancer un appel, vous informer de nouveau que la deuxième session de nos webinaires Culture Tech, plutôt technique, orientée sur un format de réponse très rapide à des questions qui nous ont été transmises auparavant. On répond sur toutes les questions techniques relatives à la gestion et à l'animation de Culture Tech. Donc, le prochain webinaire aura lieu au même endroit jeudi, ce jeudi à 10h. N'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que Guillaume vous transmettra le lien vers l'inscription à ce webinaire. Et puis, restez en contact avec nous. N'hésitez pas le lien est publié. N'hésitez pas à rester en contact avec nous à l'adresse culturetech@institutfrançais.com. On essaiera de répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à partager, à revenir vers nous si vous avez des bonnes pratiques à transmettre à vos collègues et à tous les participants des webinaires. C'est très utile pour tout le monde et pour nous aussi. Et puis, on revient vite vers vous pour tout ce qui est tutoriel, pour notamment les questions de téléchargement et d'accès au prêt numérique en bibliothèque, donc tout ce qui est littérature et livres de cette nature-là. Voilà. Si c'est tout bon pour nous, je clôt maintenant le webinaire. Merci à tous. Portez-vous bien. À bientôt et au revoir.